Salut les dragons et les dragonnes, aujourd'hui nouvelle vidéo avec une fit girl. Donc là aujourd'hui ça va être le haut du corps. Donc je vous présente Kira, enchantée, salut tout le monde. Donc tu as quel âge? 23 ans. 23 ans et ça fait combien de temps que tu t'entraînes à peu près? Ça fait 2 ans que je me suis mis en haut. D'accord, 2 ans et tu t'entraînes 2-3 fois par semaine? Ouais, ça dépend des semaines, mais sinon c'est 2-3 fois par semaine. Régulièrement et ouais. Tout. D'accord, on va voir ça. Donc là on va faire le haut du corps. Donc c'est parti hein. On s'échauffe et je vous montre la suite. Donc là pour le premier exercice, donc on fait du développé haltère sur une gym ball. Pourquoi une gym ball? Donc en fait ça va travailler la stabilité, elle va être obligée de trouver une bonne stabilité et vraiment de contrôler le geste et tout, parce que sinon bah risque de partir un peu sur les côtés. Donc franchement essayez, mettez vraiment pas lourd et voilà, ce sera efficace. Après il y a une autre alternative, si vraiment vous galérez, vous ne trouvez pas le bon geste et tout, qu'il n'y a personne pour vous montrer, vous pouvez faire des pompes à la place. Donc sur les genoux si vous êtes débutant ou si vous êtes confirmé, bah sur les pieds quoi, tout simplement. D'accord. Fair to these guys. Whoa, I just came right off a private jet. Business meetings, all they say I'm next. To blow up on the scene, you know I'm about to flex. The more I work, the more I get, I manifest. I pray to God, oh, I repent for all my sins. Hit the club next day, do it again. Split the profits with my team, I call my friends. I take no losses, everything I do, I win. All you hardly ever see a tear in my eyes. All you see is hard is never fear in my eyes. If I want it, you won't see us. Alors, je vous explique un truc. Je vais vous montrer comment Kera le faisait. Kera, c'est ça, je le prononce bien. Donc, le développé alter. Et je vais vous montrer comment il faut le faire. Elle était ici et elle faisait ça.
Donc elle allait chercher trop devant. Donc il faut être plus derrière, ici. Et aussi elle faisait cette erreur de faire ça. Là, bloquer, tac, bloquer. Et en fait, il ne faut pas bloquer ici. Pour partir direct. Et comme ça, en fait, on garde la tension sur les épaules. Alors que si on est ici, là, on perd un petit peu la tension. Donc il faut vraiment que ça fasse un effet de rebond tout en restant contrôlé. If I want it, you gon' see a stare in my eyes. The way I play the game is never fair to these guys. I get them nervous when they step in my vicinity. I got my juice, I got my sauce, I got my Kennedys. I'm on that path to save my nation like I'm Kennedy. They know I'm buzzing, but they act like they ain't hearing me. Fix the whip, you know we racing at the green light. You know I'm selfish, show you stepping in my screen. Alors, petite explication pour les évasions latérales, car là, c'est ce qu'on va faire. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème là, c'est qu'ils pensent à monter les mains au lieu de monter les coudes. Du coup quand on pense qu'aux mains, on va faire, les gens ont tendance à faire ça. Surtout quand il y a lourd, on commence à faire ça. Alors qu'il faut penser à monter les coudes ici. C'est pour travailler les épaules. Là on monte les coudes. Tac. Tac. On pense aux coudes et les mains sont un petit peu en dessous des coudes. Tac. Voilà, c'est pas ça. C'est pas bon. Bust down everything we touch and we like. All you only ever see a tear in my eyes. All you see is heart is never fair in my eyes. If I want it, you won't see a stare in my eyes. The way I play the game is never fair to these guys. All you only ever see a tear in my eyes. All you see is heart is never fair in my eyes. If I want it, you won't see a stare in my eyes. The way I play the game is never fair to these guys. The way I play the game is never fair to these guys. The way I play the game is never fair to these guys. Alors là on part pour l'exercice de dos, donc le tirage vertical. Donc une petite astuce, parce que la plupart des gens vont faire ça, vont avoir cette prise ici là. Et en fait, le fait d'avoir cette prise, quand on va faire du tirage, on va plus sentir ses bras, beaucoup ses avant-bras. En général, tout le monde sent ses bras quand on fait du tirage vertical. Et moi, je vous conseille de mettre les pouces à l'extérieur ici. Et du coup, vous allez moins engager les muscles de l'avant-bras et plus sentir le dos. Hop. Comme ceci. Au lieu de faire ça, là je vais plus sentir les bras ici, moins. Et Kera va nous confirmer ça quand on va faire l'exercice. We'll be right back.
Alors là, on est au dernier exercice. Donc les triceps, les dips. Donc je vais vous montrer un truc. Donc à la base, on va les faire comme ça, jambes tendues ici. Donc si c'est dur pour vous, pour certaines, donc bah, au lieu de tendre les jambes, vous mettez comme ça. Vous ramenez les jambes vers les fessiers et vous les faites comme ça. Si c'est facile, ici, on prend les jambes. Si c'est dur, ici, au Kera. Je rigole. Bon les dragons, l'entraînement est terminé. Donc là j'ai les mains croisées, Kera aussi. Donc ça veut dire quoi apparemment? On est fermé. On est fermé à vous. Donc on a rien à foutre un peu bah, de vous tout simplement. Donc on est comme ça. Non allez je plaisante. Donc voilà, l'entraînement est fini. Donc on a fait le haut du corps. Donc on a fait toutes les parties. Donc les épaules, pectoraux, épaules, faisceaux postérieurs. On a fait les dorsaux donc, et les bras, biceps, triceps. Donc c'est un entraînement complet, basique. Donc on n'a pas trop forcé et donc là c'est un entraînement basique que vous pouvez faire dès que vous faites le haut du corps tout simplement. Kera, donc comment as-tu pensé de l'entraînement? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ça m'a permis de travailler des parties de mon corps que je travaille depuis quelques temps. Ouais. Et j'ai appris beaucoup de choses sur la posture, la gestuelle à avoir pour s'abîmer un peu plus quoi. C'est ça, des petits détails. Il y a des petits détails des fois qui changent tout en fait sur l'exercice. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc pour les filles qui sont de notre région, qui veulent participer comme Kera à nos vidéos, bah, c'est simple, hein, vous nous envoyez un MP, vous nous contactez. Si vous avez un minimum quand même d'entraînement sous le coude pour faire assez bien les gestes. Bon après des fois il y a des petits défauts, mais bon c'est pas grave, on ne demande pas une pro. Hein. Donc on va essayer de faire participer un peu tout le monde. Et comme ça pour que aussi vous puissiez vous identifier à elles, en pas ramener que des figures qui sont super bien. Etc. Donc notre but c'est de partager et puis de vous faire progresser. Donc voilà, donc on va vous laisser l'Instagram de Miss Kera, hein, comme ça vous pourrez la suivre dans ses aventures d'entraînement, parce que là après tu étais blessée, c'est ça? C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop pensé. Blessure à l'épaule, blessure voilà. Je suis en carton. Elle vous expliquera ça dans son Instagram si vous la contactez. Du coup, je vais donner quelques conseils au niveau des entraînements. Donc, beaucoup utiliser l'élastique, travailler en excentrique avec l'élastique et tout pour travailler bien le muscle. C'est ça. Et un truc qu'elle faisait pas, c'est l'échauffement. Donc, erreur de sa part, pour s'échauffer avant son entraînement, elle faisait 10 ou 20 minutes de cardio. Et après, elle allait déjà s'entraîner. Et là, je lui ai montré une méthode de comment s'échauffer tout le corps complet. Le cardio n'est pas un échauffement. Pas spécialement, mais on peut l'utiliser. Okay. On aura pu faire du cardio 5 minutes en plus de notre échauffement, mais c'est pas ça qui va vous échauffer pour votre séance. Donc voilà, donc c'est tout. Embrassez-la parce que je commence à faire la pipette. Donc sur ce, on va vous dire no fake. Just training.